say you haven't noticed. Double tap in my orders. Alors, comme promis, nous voici sur le logiciel de retouche vidéo, d'édition vidéo. Alors, ça fonctionne avec tous ceux qui sont en multipiste et qui peuvent faire également du PIB, mais déjà en multipiste, ça devrait fonctionner. Alors, moi, là, actuellement, tu auras remarqué, j'utilise Filmora. Donc, pour ce faire, pour utiliser donc ton overlay, celui que j'avais créé qui est là, il va falloir prendre ton overlay, le mettre sur la première piste, prendre ta vidéo. Donc là, c'est une vidéo juste simplement que tu verras juste après, pour te faire voir ce que ça donne, pardon, que tu vas mettre sur la seconde piste, voilà. Ensuite, la première piste, tu vas simplement te mettre au bout et étirer jusqu'à la fin de la deuxième piste, donc la durée de ta vidéo. Voilà. Hop. Et tu peux remarquer déjà que mon smartphone apparaît là en plein centre sur mon overlay. Alors, si ce n'est pas bien centré, pas de panique. Il suffit simplement de cliquer sur la deuxième vidéo, de recentrer comme ceci et de regarder ce que ça donne. Bon, on voit que c'est encore pas centré, donc on va recliquer dessus. Hop, là, tac. Alors, si jamais c'est pas pile poil, tu paniques pas, il n'y a pas de problème. Tu recliques sur la deuxième et tu vas simplement étirer un poil à droite et un poil à gauche. Voilà. Et comme tu peux le voir, hop, là déjà à gauche, il n'y a plus rien. Tac. Là, c'est juste une question de petits réglages. Hop, c'est pas mal. Désolé, je suis un peu en rumeille. Bon, hop. Voilà. Donc, tu peux voir que c'est tout à fait correct, hein, qu'il n'y a pas de problème. Alors, je vais couper le son pour te faire voir que ça fonctionne quand même. Hop. Qu'on ne se retrouve pas qu'un double son. Voilà. Tu vois, ça marche parfaitement. Hop. Donc, tu vois, c'est pas très compliqué pour faire, pour utiliser ton overlay. Donc, ça fait beaucoup de dons, hein. J'arrête pas à parler là, cet après-midi. Alors, ce que je vais te faire juste tout de suite là maintenant, je vais te mettre la vidéo parce que j'ai quelques informations à te donner dans la vidéo. Elle ne dure pas longtemps, elle dure 47 secondes. Donc, c'est tout pour ce petit tutoriel sur la façon d'utiliser un overlay avec l'enregistrement de ton smartphone. Donc, il faut savoir quand même que j'ai pris la vidéo du smartphone, que je l'ai basculé sur le PC. Et voilà. Eh bien, écoute, je te laisse avec la vidéo. Et la suite, tout de suite. Donc voilà, je te fais juste une petite vidéo comme ça, vite fait, hop, pour te montrer en fait comment faire pour incorporer ton écran de smartphone dans ton overlay. Donc voilà, la vidéo n'est pas très très longue. Il faut savoir aussi que ton overlay, tu peux garder le modèle par exemple que je t'ai montré là, si tu ne changes pas de smartphone. Et tu l'enregistres au format propriétaire de ton logiciel de photo, par exemple Photoshop ou PenShot Pro. Puis tu le réouvres à chaque fois pour changer simplement les petites images que tu rajoutes ou le fond d'écran. Donc, écoute, la vidéo va s'arrêter là. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !